Ceci n'est pas un test. Ici votre système d'urgence intégré vous annonçant le début de la purge annuelle légalisée par le gouvernement américain. L'usage des armes de classe 4 et moins est permis pendant toute la durée de l'événement. Toutes les autres armes sont formellement interdites. Tous les membres du gouvernement bénéficient d'une immunité totale et ne doivent pas être visés. Quand vous entendrez la sirène, tous les crimes, incluant les meurtres, seront autorisés pendant 12 heures consécutives. Les services de police, d'incendie et d'urgence médicale seront suspendus jusqu'à 7 heures demain matin, quand la purge sera levée. Que Dieu bénisse les nouveaux pères fondateurs et l'Amérique, une nation ressuscitée. Que Dieu soit avec vous. 19h51. Waouh, la purge commence dans peu, là. Bonjour, chef. Vous avez pris où votre arme, chef? À l'armurerie, cours, mon grand, cours. Oula, oula. À l'armurerie, ici? À l'armurerie, ici, ou... Non, pas ici. Accompagnez-moi, s'il vous plaît, chef. Les donne. C'est... Oh, putain. Bonsoir. Vous êtes prêt pour la purge? Fait comme on peut. Ah, je sens que ça va purger ce soir. Ah bah écoutez, nous on est là pour défendre la ville, hein. Même si on n'est pas en service, moi je suis là pour faire le bien. Faites votre rôle, hein. Bon, vous allez aider les autres, j'espère. Ah, je suis pas quelqu'un de méchant, moi, monsieur, vous savez. Ah. Mais bon, à travers un masque, je peux pas vous dévoiler plus ma personnalité. Ah, je comprends, hein, je comprends. Vous savez que tout est permis, mais bon, le choix est libre, hein. Tout à fait, tout à fait. J'ai pas de kit de secours, quelqu'un en aurait un pour moi, s'il vous plaît? Bah, le problème, c'est non, que le secours va falloir traverser la ville pour aller en chercher. Oh putain. C'est la merde. Messieurs, il est actuellement 20h sur mon téléphone, faites très attention. Théorie. Oh putain, c'est ma première purge. Il partit où le capitaine? C'est ma toute première purge, je stresse. Ah, bon le capitaine n'est capitaine pas parmi nous. D6. Moi je mange. Vas-y, explique maintenant, Brand, bon. Parce que ça va partir. Donc, messieurs. Bah ta gueule toi Gervais! Bon déjà en ligne s'il vous plaît, là, que j'ai un bon visu là s'il vous plaît. Là. Ce soir ce que nous allons faire est légal aux yeux de la loi et aux yeux des pères fondateurs. En aucun cas, vu que nous sommes une brigade, je veux vous voir vous tirer dans les pattes, on est bien d'accord. Hein, malgré les petites tensions messieurs qui est entre nous. C'est pas une raison pour que on se tire dans les pattes. Donc pas de coups de pute, pas de machin, enfin, vous avez compris quoi. Rangez bien vos armes s'il vous plaît. Alors j'ai un petit cadeau que je vais aller vous chercher. Alors c'est absolument pas pro, enfin c'est prohibé hein, vis-à-vis des lois de la purge tout ça. Enfin, vous allez voir notre mission ce soir. J'ai eu une information comme quoi sur les quais allait se dérouler une importante livraison d'armes pour la purge. Notre mission sera donc de l'arrêter, messieurs, on est bien d'accord? Oui, chef. Quand je dis arrêter, ce sera pas arrestation. Hein. Cette fois, on tire, on bute. On est pendant la purge, je vais pas m'enquiquiner avec de la paperasse ce soir, ok? On est soudés, on est une équipe, on est une famille, d'accord? Les criminels qui nous en veulent, il y en a beaucoup. J'ai une question à poser, par contre, par rapport à la purge. Je sais pas... Enfin, on n'a pas donné d'ordre. Vous allez pour purger ou pour aider les gens? Parce que, enfin... Moi, j'avais prévu d'essayer d'aider les gens, quoi. D'aider les gens? Ouais, tu fais ce que tu veux, quand même. Ça va dépendre de ce qui va se passer déjà. Après, vu que vous êtes mon groupe, vous faites ce que vous voulez. Hein. Enfin, je vous en voudrais pas après la purge et tout. Hein. C'est normal, je comprends, c'est vos droits. Mais voilà. Je peux vous mentir, il hein. Y en a 2-3 que j'aimerais bien voir sous terre. Ah bah ouais, faites hein. La purge est là pour ça. Hein. Il est de patrouille, c'est moi, ça en est un moyen. Oui, mais moi c'est... Oh, allez à terre. Allez hop à terre, on se dépêche. Wow. Allez hop. C'est quoi cette histoire là? Contre le mur, tu regardes le mur toi, dépêche-toi. Brand, qu'est-ce que tu fais, putain de merde? Brand, qu'est-ce que vous faites, chef? Ta gueule, Pedro, ferme ta gueule. Fermez vos gueules. Brand. Mais putain, Brand! Il a choisi le bon côté, PO! Vous avez des zip-tees là, les mecs? Bon, ouais, c'est bon. On est un flic de fermer les portes à l'avant. Il a essayé de faire cette voie. On va faire le. Ouais. C'est quoi ça? Restez là, les portes se ferment pas, messieurs. Ok, premier est menotté. Allez, j'ai pas entendu l'annonce de la purge. C'est illégal ce que vous faites. On n'a pas encore tué qui que ce soit, alors faire fermer vos gueules. Oula! Je pense que tu te trompes, Brown. Je suis menotté. Ferme ta gueule. Qu'est-ce que vous faites, chef? Je croyais qu'on était du même côté.
C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage qu'il n'y ait pas les capitaines. Ça, par contre, ça me... Vous voulez quoi, clairement, c'était ma cible. Qu'est-ce que vous voulez? La gueule, Gervais. Avec tout ce qu'on a vécu ensemble, Brand, t'es malou, ça, là. Peut-on me démenoter ou pas, là? Ah, gros, flamme, oui. Peut-être. T'as encore une petite chance de passer du bon côté, hein. Mais ça, seul toi le sait, hein. Je reconnais ta putain de voix, toi. Ah, si, toi, gars, là. Tu te fous de ma gueule, Iker? Bah, sans toi, le allez, ouais, on va les emmener en cellule une fois que vous les avez menottés, là. Vous allez être frais, frais à la peau. Vous faites une grave erreur. Ta gueule, Gervais, ferme ta gueule, soldat. Brand, tu me dégoûtes, Brand. Pourquoi vous me faites ça, chef? Pourquoi t'as fait ça? La purge, monsieur. Putain, s'il vous plaît, chef, je suis qu'un cadet, quoi. Merde. Putain, mais on a vécu trop de trucs ensemble pour que tu me fasses ça. Cellule du fond, pour toi. Putain de merde. Je te faisais confiance, Karkarov. Je suis encore menotté. Non, mais jamais balancé. Je savais que tu blanchissais. Putain, je t'ai jamais j'ai balancé. J'ai fait plus que ça. S'il vous plaît, calmons-nous. On peut vous aider, peut-être, si ça vous intéresse ou. Radio, j'avais la main. Oh, bordel, merde. Voilà, que maintenant, ouais, putain, c'est n'importe quoi. Écoute, hey Pedro, écoute-moi, j'ai un truc à te dire. C'est à cause de moi que vous avez... que vous... Je crois, messieurs, que le gouvernement... Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Me dis pas que t'as fait ça. Je crois que Clay l'a bien aimé le coup de sniper. Hein. Je te faisais confiance, putain. Je te faisais confiance, espèce d'enculé, moi. Vous serez poursuivi, hein, pour ça, hein. Donc, pour un souci d'impartialité, et malheureusement que votre état-major n'est pas là, on a quand même deux belles pépites sous nos mains, on a décidé de faire deux, trois petites animations pour ce soir. On va commencer soft par des petites bagarres entre vous, hein, celui qui voudra s'en sortir, bon, il a intérêt de se la donner sur le collègue, et après on commencera à distribuer des armes et vous vous battrez. Donc si toi, Pedro, par exemple, je te dis de buter ton pote le cadet, si tu veux t'en sortir, bah faudra que tu le tues. Voilà, ce soir on va mettre à mal vos petites... S'il vous plaît. Petites valeurs. Ah ouais. Donc... Ah, je vous en supplie, non. Malheureusement, on va dire que, par pur hasard, c'est après, nous, ça nous fait bien rire, notre premier combat de la soirée, à main nue, ça sera Monsieur Gervais et Monsieur Price. Bravo. Sous applaudissements, messieurs, on va les détacher, on va se battre, se mettre sur la gueule. Hein. Oh, écoute, on va pas se battre, Price. Hein. Yeah. Ouais. Je veux rien te faire. Il reste Price, on se bat pas. Hey, les deux autres, j'en ai rien à foutre. Approche-toi de la cellule. On s'en sort tous les deux, d'accord? Ok, je vous le promets Ah, que. Note. Tu veux quoi? Je veux que tu te masturbes sur ton collègue une fois que tu l'as tué. Est-ce pourquoi que tu fais ça? Ferme ta gueule. Ça, par contre, tu vas prendre un gros coup de tête. Redis encore une chose, tout ça. Ah, donnez un couteau à cet homme et faites rentrer Yaourto Fruit. Attention, carte. J'ai déjà ma hache. Oh putain, merde. Oh, ça me plaît, ça me plaît. On va vous donner putain, des armes. Vous êtes des malades mentaux. Vous allez vous entretuer. Vous êtes des celui qui tue l'autre sera libre. Pedro, on se. T'inquiète pas, Yaourto. Tiens, noter Pedro là. Je t'offre la liberté si tu tues ton collègue. Non, c'est faux. Je veux tuer personne, chef. Vous le savez que je suis un bon. Je veux tuer personne. Il fera jamais ça. Je te préviens, Gervais, si tu fais du mal à mon frère, je te mets une balle dans la tête. Allez, donnez-leur des armes, qu'ils se battent à mort. Mettez pas de tout. Tu veux devenir un vrai Déo? Gervais, Déo, il doit faire des choix difficiles au bout d'un moment. Faut savoir. Ça vous m'inculpez, mettre en prison. Vous croyez que je vais devenir Déo après vous avoir vu? Je crois pas. Poste ton arme. Voilà. C'est mon frère. Ça c'est mon frère. Moi Pedro, je crois. J'ai dû le buter. Oh putain de merde. Vous avez buté Gervais? Je suis fier de toi. Oh putain de merde. Il a voulu me mettre en prison. Enculé. C'est devenu un petit buté là. Ah! J'avais. Putain de merde! Brand, tu sais très bien pourquoi j'ai buté. C'est bien, Pedro, c'est bien. Putain, oh putain. C'est bien, t'as bien fait, mon grand. Je vais te donner une jolie hache. Tu vas devoir t'occuper de cet incapable qui a failli me buter lors d'une opération. Voilà. Donc là, tu vois, je te laisse le plaisir de t'occuper de ça pour moi. Et t'inquiète pas, tu seras dans mes petits papiers. Et quand t'es dans mes petits papiers, tu montes très vite en grade. T'as bien vu ce soir? On fait de la place! Tiens, regarde, il y aura eu les capitaines. D'ailleurs, si on les chope, s'il y a les capitaines, bah, qui te dit que demain, il n'y aura pas une place? Hein? Mais là, on attend. Enlevez-lui, s'il vous plaît, les menottes. Hein. J'ai commencé déjà à lui enlever les menottes, comme ça, c'est fait. Tu t'occupes de ton petit copain. Alors, enlevez-lui les menottes, on va l'emmener en cellule. T'as mis les menottes?
et tu vas exécuter ton collègue. Ah non, c'est l'inverse là, il faut démenoter. Il faut démenoter lui. Celui qui, oui. Celui qui a menotté. Il se bat. Reviens là. Tirez dans l'escalier, tirez. Ok, je m'enfuis pas, c'est bon. Je reste là, j'ai pas bougé. Ah putain, il est mort. Putain. Bon, il nous faut un citoyen, il nous faut une pucette, je veux dépuceler mon cadet. Il nous reste le monsieur avec le chapeau. Allez, monsieur avec le chapeau là-bas. Non. Bah quoi, t'as pas les couilles? T'as pas les couilles? Un mec qui en parle. Non, je vais tuer personne. Moi, mon but c'était d'aider pendant la purge et de tuer la racaille. Mais pas tuer les innocents. On se barre, ils sont plus là. Go. Oh putain, y'a du sang partout. Comment on allume la torche? Tu penses fort. T'es mort. Merde! Oh non! Merde! Merde! Ils sont tous morts! Redescends, on va mourir, ils sont tous morts! Vite! Ici, les gars! Ici! Salle de briefing! Ok! Oh putain de merde! Ici! Vite! T'as une arme? Ouais, j'ai une arme! Oh putain, capitaine, vous êtes là! Oh bordel! On est là. Ok, parfait, nickel. Vous inquiétez pas. Comment on allume la torche, s'il vous plaît? Ils ont tué tout le monde, capitaine, putain. Gervais est mort. Putain. Je sais plus qui c'est qui est mort. Les autres, ils sont où là? T'inquiète pas. Attends, couvrez-moi, je vais voir si je peux. Bronn est le traître, capitaine. Bronn est le traître. Putain, merde, on peut pas. Ils sont combien? Ils sont au moins. Je dirais 5. 5 ou 6, ouais. Ok. Combien sont morts là? Je sais plus. Ils ont tiré sur plusieurs personnes, il y a des gens qui sont rentrés et tout, enfin. Putain, et Lodge, j'ai mis un coup de crosse sans faire esprit. On va sortir par derrière. On va regarder si on peut sortir un blindé. Ok. Putain, heureusement que vous êtes arrivé, capitaine, c'était la merde. Hein. Ils ont dit aux gens de s'entretuer et tout, enfin, c'était horrible. Oh putain. Gervais est mort avec des coups de hachette, imaginez. Oh putain. Et profitez-en pour prendre de la bouffe. Hein. J'ai déjà assez de bouffe. Y'a un hélico. Hélico. Oh bordel, c'est qui ça? Feu. Merde, il va se cracher. Oh. Vite. On monte. Oh putain. Montez. Ok, go. Une munition pas très loin, on va y aller pour se ravitailler en petit pistolet et tout là. Moi j'ai déjà tout ce qu'il faut, chef, hein, j'avais tout prévu. Ouais, il faut peut-être prendre des kits de soins. Oh putain! Vite! Guet-apens! Sur le. Oh putain de merde! Ils nous ont crevé les pneus! Sur le toit. Fais chier! C'est pas grave, okay. On fonce. À mon avis, les gars, faut aller à pied. Vous pensez? Vous êtes sûr? Faut aller à pied. Ouais, à mon avis, c'est foutu. Je me baisserai que je tire dessus. Au moins elle fait pas de bruit celle-là. Hein. Ouais, mais fonce. Putain, y'a plus du tout de courant nulle part. Doucement. Ouais, c'est bon, vite, allez. Attention. C'est pas grave, c'est bon. Bon, vas-y, on prend chacun notre tour, non? Je vous cover pendant que. Ok, pour l'instant ça va. J'entends des bruits de voiture. Là! L'autre côté, derrière nous. J'en ai tué un. Il y en a encore un derrière le container. Je vais. Attention! Camion du SWAT! Ok,
Gaz. C'est moi. Il faut partir. Oh putain de merde. Capitaine. Oh. Putain de merde. Oh mon dieu. Oh putain. Merde. Où est-ce qu'ils sont? Oh. Ok. Ok, venez. Bonjour. Venez. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Je peux vous soigner si vous avez quelque chose. Non, pour l'instant ça va. Oh putain de merde. On nous a attaqué. J'ai passé à Super 8, y'a plus rien je crois. Ah ouais? Ils l'ont dévalisé. J'ai peut-être pas bien fouillé, j'en sais rien. Vous appelez comment? Je m'appelle Mike. Ok, salut Mike. Moi c'est Salut. Ah, je sais pas si je peux te dire mon nom, bref. J'ai de la police normalement, ok? Ouais. T'inquiète pas, okay. Je suis un gars bien. On s'est fait attaquer, j'étais avec mon chef et tout, on s'est fait attaquer. Je sais pas ce qui s'est passé, je vais juste me réveiller là. T'es tout seul? Ouais, je suis tout seul, je suis pas armé, j'ai rien. Mais pourquoi t'es pas resté chez toi? Un fourgon de la police. Bah parce que justement, il y a des hommes qui sont venus chez moi. Ils ont commencé à défoncer, j'ai dû casser la fenêtre et... Oh putain de merde. Ok, si tu veux, on peut aller à mon commissariat. Je pense que l'armurerie n'a pas été dévalisée. Normalement, il y a un code, la porte est blindée. Je peux essayer de te trouver un gun si tu veux. Faut faire gaffe alors. Ah, faut faire vraiment gaffe. Ok, on va rentrer dans le comico et je vais direct foncer à l'armurerie. Tu me suis? Ok, voilà, je te donne ça pour te protéger. Merci beaucoup. Merde, il est parti le mec. Qu'est-ce qui se passe? Dans le commissariat, j'ai quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah putain, S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Il a passé devant le commissariat. Il a passé en cours. J'ai trouvé de l'aide et je trouve des gens qui pointent des larmes. Vous avez. Dans le commissariat, monsieur. Dans le commissariat, s'il vous plaît. Attends, pourquoi vous êtes pas chez vous? Qu'est-ce que vous foutez dehors? Je suis à civil. Bah. Je me suis réveillé d'un coup, j'ai entendu une grande alarme et voilà, c'est le bordel de partout là. C'est quoi ce bordel? Bah, monsieur, c'est la purge. C'est la purge annuelle, comme l'État l'organise chaque année. Moi je suis réveillé à peu près un mois ici, bordel de merde. Je savais pas que toutes les années il y avait cette merde. Ça pue. Bon bah, je suis renseigné, c'est monsieur, pas l'Amérique, on va trouver ça. Bonjour, excusez-moi, est-ce qu'on peut tuer tout le monde? Monsieur, ça fait bizarre quand même. Aujourd'hui, tout le monde peut tuer tout le monde et ne sera jamais inquiété. Aucun service d'urgence n'est disponible. Là, vous restez dans le commissariat, mais n'importe qui peut y rentrer et vous tuer. Moi, je suis désolé. Oh putain! Putain! Oh putain! Oh putain! Cours! Ok, venez. Je l'ai laissé s'enfuir. Ok, messieurs, ok. Allez, s'il vous plaît, aidez-nous. Qu'est-ce qui vous arrive? S'il vous plaît. Mon collègue s'est pris une balle dans la tête. Ok, je peux le soigner. Ok. Ouf, putain, j'ai peur. Faites gaffe, je vous couvre. Ok. Attendez, je vais vous dire. Oh, ça va, tu vas t'en sortir, t'es là. Tenez, monsieur, prenez la trousse de soins. Ah ouais, vous êtes bien armé. Ouais, on est bien armé. Ouais. En fait, on s'est fait déjà. On a croisé des policiers que je connaissais déjà d'avant. D'accord. Et bon, ils ont failli me tuer. J'ai paniqué et du coup, heureusement, ils m'ont reconnu comme j'étais copain avec eux, mais sinon, c'était la mort assurée. Putain, mais est-ce que vous auriez pas vu mon capitaine avec... Est-ce qu'il y avait un masque bleu? Masque bleu, mais je connais un des capitaines, je pense. Parce que d'accord, mon capitaine a disparu, enfin, on s'est fait attaquer et je me souviens plus de rien, je suis tombé dans un sort de fosse. C'est quoi son nom? C'est John. Non, viens plus. Attention. Oh, putain, faites gaffe! Cachez-vous. Je suis. Ah, voiture. Tu mets le véhicule. Partez. Ok, ils ont peur, sinon ils nous auraient déjà... Ouais, ils ont peur aussi. Ils sont que deux, c'est bon. On est super... Ah, y'a quelqu'un là. Y'a quelqu'un. Où ça? On va le voir. Là, devant. On va le voir. Conduisez, je sors. D'accord. Vous êtes qui? Vous êtes le vendeur? C'est safe. Eh hey, monsieur, ouais. Vous êtes qui là? Venez. D'accord, on va enchanter. Enchanté, messieurs, allez-y. Prenez tout ce qu'il vous faut, je vous couvre. Vous avez là tous l'air très, très, très aimable. Et j'aurais vraiment pas du tout envie que quelqu'un de vous périsse lors de cette purge. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on utilise tous nos forces pour ensuite essayer d'avoir un résultat concret et qu'on s'en sorte tous. Je suis d'accord. Bon, enfin là, ça a l'air d'être.
C'est un peu évident, on n'est pas réunis ici dans un vieux garage miteux pour faire un groupe de parole, les gars. Bon, toi, par contre, c'est tu un fermes peu ta gueule. Ah Il faut qu'on aille récupérer de la nourriture en ville, dans les supérettes. Il faudrait qu'une équipe s'en charge. Je vais y aller. Ok. Si quelqu'un est partant pour venir moi avec aussi. Moi, partant aussi. Moi, je reste avec Tony absolument, parce que j'ai quand même il est blessé déjà. Et... Pas de soucis. Okay, donc d'ailleurs, ça va mieux avec le kit ou... Ouais, merci. Ouais. Gonzalo je vais laisser ouais, arrêter, allez, une équipe de 3 ou 4. Ouais, je suis là. Ok, super. Ok, il n'y a plus personne ici. Ok. Oh putain, c'est des collègues à moi, ça. C'est peut-être des collègues, ouais. Excusez-moi, bonjour. Ah, bonsoir. Vous êtes de la police? Oui, on est de la police. Ok, c'est pas des flics, c'est pas des flics. C'est pas des flics. Putain de merde! Ça m'a dit que c'était pas des flics! Ah! Ah les fils de pute! Ok, c'est des enculés eux! C'est des enculés! Faut pas qu'on se fasse savoir! Non, ouais, si je les vois, je leur tire dessus, je m'en fous! Monte sur toi, monte sur toi! Monte sur toi! Comme ballon de moteur! Ils sont où? Volos! Volos! Oh bonsoir, non, bonsoir, non, Soro! Soro, 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 il y a plus de monde, il y a plus de monde! Reste avec lui, monsieur, protège-le! Protège-le, fiston! Qu'est-ce qui s'est passé, Mike? On était là, on était sur le toit parce qu'il y a des hommes qui tiraient et tu t'es pris une balle. Elle a touché le gilet. Moi, je peux plus continuer, l'arrête, je suis désolé, je peux plus continuer, Là, j'ai les côtes pétées, je le sens. Avancez un peu, il y a l'entrepôt qui est juste en face à mes outils. De tout à l'heure, il faut qu'on aille à la plaine de tout à l'heure. Suivez mon point, je vais à la montée entrepôt, j'ai tous mes outils pour soigner le monsieur. Il va quand même prendre une balle d'ailleurs, s'il vous plaît. Je vais Emmenez-moi à l'hôpital demain. Allez prendre l'air, tout va bien se passer. Fumez une cigarette, etc. Emmenez-moi à l'hôpital demain. Tout va bien se passer. Mais c'est le médecin. Mais comment il n'y a pas l'hôpital.